des grandes difficultés que nous avons, c'est la question en islam, la question de la légitimité. Qui a le droit de changer les choses? Qui a le droit d'interpréter les choses? Qui a le droit d'avoir une réflexion sur l'islam? Qui a le droit de critiquer l'islam? La question des femmes en islam est une question qui traduit toute la difficulté que l'islam trouve aujourd'hui à s'insérer dans l'histoire contemporaine. Quand on regarde la société, quand on écoute les femmes, on se rend compte vraiment de leur souffrance. Mais en même temps, c'est là où il y a la partie psychanalytique, en même temps, elles sont traditionnelles. Elles sont dans la tradition, elles sont gardiennes de la tradition et elles transmettent aussi quelque chose qui est très néfaste aussi pour les femmes. Il est difficile de questionner le statut des femmes dans le Coran sans provoquer des polémiques. Ou de s'interroger sur la condition des femmes dans le monde musulman sans que les stéréotypes et les procès d'intention ne viennent entraver la démarche du chercheur. C'est pourtant l'ambition de ce film, que de donner à voir et à comprendre les enjeux autour de cette thématique des femmes et de l'islam. Et de mettre en évidence les convergences qui peuvent réunir féministes et théologiens, partisans de la raison et adeptes de la spiritualité.